Il y a des passages qui m'ont beaucoup fait penser aussi à certains passages de l'archéologie du savoir, que je trouve très intéressant. C'est quand toi, tu estimes que finalement, la loi, ça n'est pas un critère en soi d'analyse de la. Ça va être un oxymore ce que je dis, mais de la légalité. Oui. Finalement, pour toi, il y a une autre forme de légalité qui est supérieure à la loi qui est votée. Et tu prends un exemple pour montrer l'absurdité parfois de violer la loi comme critère d'honnêteté, c'est celle du préfet l'Allemand. Alors c'est pas l'Allemand, c'est son prédécesseur. Ouais, c'est d'accord. Son prédécesseur. Je sais plus. Mais j'imagine que c'est les mêmes chiffres, notamment sur le droit d'asile. Hein, alors je sais pas, parce que là il y avait eu une plainte qui avait été faite contre lui par je sais plus quelle association d'ailleurs sur ses manœuvres dilatoires pour traiter les demandeurs d'asile et qu'il a été condamné. Je sais plus si c'est 135 ou 185 fois par le tribunal administratif et par la Cour européenne d'ailleurs. Pour ces menaces, ce qui fait que ça en fait une des personnes les plus condamnées de France. Je sais pas qu'il y a 185 condamnations en France. Peut-être quelques personnes, mais quand même pas beaucoup. Et c'est le préfet de police de Paris qui a été condamné de fait, hein, c'est vrai. Hein, si vous regardez sur Google, c'est vrai. Et qui donc, c'est la personne les plus condamnées de France, qui veut dire effectivement que, bon, d'une part, ça veut dire que, puisque ceux qui sont dans l'appareil d'État savent s'affranchir de la loi pour imposer leur propre volonté, qui était des volontés là, racistes, en vérité, d'expulsion, il n'y a aucune raison que, à gauche, nous infligions des conflits moraux qu'eux ne s'infligent pas. Mais surtout, peut-être plus puissamment, que ça, par rapport à la loi, je suis frappé par le fait que quand on met en question la police ou on met en question une action, on dit c'est illégal, en plus c'était illégal, il n'a pas le droit de faire ça, etc. Et moi je dis qu'il faut faire très attention parce que nous passons notre temps à faire des choses illégales. Déjà dans la vie quotidienne, nous en faisons tous beaucoup, que ce soit sur la drogue, soit là en ce moment sur le confinement et le couvre-feu, je pense que beaucoup de gens font des pratiques pas tout à fait légales, que ce soit sur le téléchargement, on fait tous des choses qui sont dans l'illégalité, mais encore plus dans la politique, on le sait bien, dans la manifestation, on peut être sensible à des gens qui ont des pratiques oppositionnelles par rapport à la police, ou par rapport à des objets du mobilier, etc., ou à des individus qui vont occupés, c'est illégal, qui vont entrer de force dans les bâtiments, c'est illégal. Enfin, donc, on passe notre temps à faire des choses. On est des délinquants, en vérité. On est des délinquants, si nous donnons un délinquant, voilà. On est des délinquants. Et donc, la question de la légalité n'est pas pertinente pour juger une action. Il y a des actions légales qui sont dégueulasses, comme je dis, la mort de Trayvon Martin et le fait que le policier a été, c'est pas si c'était un policier ou un vigile, je sais plus d'ailleurs, a été acquitté. C'était un citoyen qui s'est comporté comme un. C'était ça. Hein. Comme un vigilanté, quoi. Ouais, ouais. Et qui, mais il était plus que ça, il était, je crois, dans un truc de surveillance de quartier, je crois. En tout cas, il a été acquitté, donc son action était considérée comme légale, légalisée, et donc, mais c'est une action qu'on réprouve et qu'on combat. Et puis, voilà, Snowden est un délinquant, il risque la peine de mort, et pourtant, ou Chelsea Manning, maintenant qui a fait quand même 10 ans de prison, et qu'on soutient et qu'on considère que c'est un acte juste et que on veut propulser, que ce soit Libération Animale, que ce soit Cédric Héroux, Carole Arquette, etc. En vérité, la loi n'est pas un critère pertinent d'évaluation d'une action quelle qu'il soit. Une loi, c'est toujours une volonté particulière qui s'est légalisée. Donc ça, c'est les analyses de la conscience politique. C'est-à-dire que c'est la manière dont un groupe de gouvernants s'est approprié l'appareil répressif d'État pour imposer sa volonté à travers la police. C'est une volonté légalisée, donc qui n'a pas de valeur en tant que telle. La valeur d'une action, c'est son rapport à la justice, c'est son rapport à la pureté, c'est son rapport à la capacité à produire un monde moins violent ou moins mauvais. Si une action est conforme à un principe de justice, alors on doit l'entreprendre. Et si une action n'est pas conforme à un principe de justice, alors on ne doit pas l'entreprendre. Et le fait qu'il y ait de la justice qui est supérieure à ce qu'on appelle la loi, c'est le principe de la théorie politique depuis Rawls, de la désobéissance civile, du mouvement des droits civiques. Enfin, je veux dire, c'est la base quand même de la vie générale. Et donc, effectivement, ne jamais utiliser le concept de légalité pour évaluer nos actions, mais le concept de justice.